à ça que tu avais raconté à ça si. Ah oui, 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 il me dit que non, on va venir là-bas. Ils sont appelés, ils sont venus là-bas. Ils ont commencé à venir me prêcher là-bas, me prêcher, me prêcher. Toute ma famille. Au message. Oui, toute ma famille, jusqu'à mes enfants, jusqu'à mon petit-fils, tout le monde a fait partir au feu de la scène qui est là-bas. On voulait nous baptiser là-bas. Pendant ce temps, je suis malade. Je suis tombée malade, j'avais 15 ans. En 95, 15 ans. Je suis tombée malade, j'ai eu mal aux yeux. Un truc qu'on m'a lancé dans la sorcellerie. Oui. Ça a détruit mes yeux, donc je ne voyais pas. J'avais déjà fait les hôpitaux, j'ai cherché la guérison partout, dans les, chez les marabouts, partout où on m'envoyait, je partais pour chercher la guérison. Et quand même, dans la dénomination, j'avais la maladie là, mais Dieu ne m'a pas délivré là-bas. Bon, les frères ont commencé à venir là-bas. Après, avant même que les frères n'arrivent, un pasteur dénominationnel, toujours la mission de Christ, est venu me chercher, amener à Douala pour elle, à mon atelier pour aller me délivrer. Arriver là-bas, c'est devenu pire. L'huile que lui mettait dans mes yeux, il vient de prier, il prend l'huile, il met dans mes yeux. Ça a encore infecté mes yeux, ça m'a rendu complètement aveugle. Ouais. J'avais l'enfant aussi avant, elle était guérie. Celle qui a accepté la santé, elle est là toute la tête. Ok. Je suis devenue complètement aveugle, je ne voyais même pas la face de mon enfant. Tout le monde a pensé, oh le bébé, la petite belle petite fille, comme ça là. Moi-même, je ne voyais pas ma fille, je ne voyais pas l'enfant que je portais. Pour laver les couches, je faisais comme ça, et partais, c'était pas propre, ce n'était pas mon problème. Oh, j'ai fait ça peut-être 3 mois là-bas. Après, pour sortir comme ça, là, il fallait couvrir la serviette sur la tête comme ça, comme ça. Mais ma fille, celle qui lave les habits là, elle avait, c'est elle qui me nourrissait à mon atelier. C'est elle qui me nourrissait, elle avait peut-être l'âge de celle-ci. C'était la saison des mangues, elle part acheter les mangues très tôt. Elle part vendre au centre. Elle vient, dès qu'elle finit de vendre, elle achète les arangs, les arachides de riz, elle vient, on ne peut pas. Au lendemain, elle fait la même chose. Et on mourait vraiment de famine. Après, ma mère envoie dans mon petit frère, elle me dit que les pasteurs que tu m'avais parlé de Kola, ils sont en train d'arriver. Je ne peux pas rester, je t'en vais. Je m'en vais, je n'avais même pas 5 francs. Il y avait un motoman que je connaissais. Sa sœur était amariée chez nous. Je lui ai dit que pardon, amène-moi. Il vient pas dire qu'il n'est pas l'argent. Amène-moi au village. Il m'a compté. J'ai laissé mes amis, je n'ai rien pris. Nous sommes partis. Les frères sont arrivés. J'ai pris le baptême dans le message. Amen. Parce que je n'étais pas baptisé dans le. Dans la démination. Amen. Je me dis que ici, je ne peux pas rater l'occasion de je ne pas. Alléluia. Bon. Un jour, les frères continuaient à venir. Un jour, j'ai dit donc aux frères que comme vous voyez là, ils sont